Alors, j'ai entendu tant de versions différentes sur les raisons pour la rupture Carnet-Prévert. Ça, Qu'est-ce je l'ignore que totalement. Je ne savais pas qu'il y avait eu une rupture. vous... Enfin, pas une rupture, enfin, la fin de la collaboration. Ah oui, c'est différent. Parce que non, ce n'était pas une rupture, parce Mais ils sont restés amis après, ou en bonne oui. connaissance, mais... Mais ça, je ne suis. Depuis après 43, je n'ai plus travaillé avec eux. Enfin, ils n'ont plus demandé de travailler avec eux parce que j'étais très pris à la Comédie-Française. Et ensuite, nous avons fondé notre compagnie en 46. Ah, c'est intéressant. Alors, on était très très pris et nous nous sommes éloignés un peu du cinéma, forcément, parce que notre compagnie nous a pris notre temps entier. Alors, c'est pour ça que nous n'avons pas. On s'est arrêté. Mais l'amitié et l'admiration étaient intactes. Mais Jacques était comme un frère pour moi, Jacques. Donc vous étiez vraiment plus proche de Prévert. Bah, on se connaissait beaucoup plus. On se connaissait beaucoup plus. De par le groupe Octobre, le mouvement surréaliste, on se fréquentait quotidiennement. Tandis que Carnet, ben, je l'ai connu professionnellement. Vous Mais avez... j'ai une grande admiration pour lui, une grande amitié. Vous vous voyez de temps en temps? Ah oui, à chaque fois qu'on... Bah, moi, je suis pris 15 heures par jour ici, je ne vois pas grand monde. Mais quand nous nous rencontrons, les regards sont chauds. Oui.